la communauté de communes de la Côte d'Albâtre est située en Normandie, au nord des villes du Havre et de Rouen. Elle semble aujourd'hui relativement délaissée par les grands réseaux de transport. Pourtant, la situation de ce territoire de bord de mer, proche de Paris et de l'Angleterre, le rend particulièrement attractif. De plus, la présence d'un axe longeant la côte et reliant les principales grandes villes laisse entrevoir un potentiel de mise en réseau de ce territoire. Notre projet fait le constat d'une structure paysagère existante particulière à ce territoire, issue du modèle en enclos des Clos-Mazur. Nous avons construit notre stratégie à l'échelle territoriale et à l'échelle locale sur cette structure. Les clusters constituent une trame de fond pour la mise en place d'une logique écodynamique visant à orienter l'évolution du territoire à travers trois thèmes fédérateurs : la mobilité, l'énergie et les programmes. Après ce constat, nous avons choisi de limiter l'urbanisation et les activités à l'intérieur de ces systèmes paysagers. En dehors, l'espace laissé libre, le vide, est complètement préservé pour l'agriculture et la biodiversité. Notre stratégie territoriale accorde une grande importance à la spécificité des situations et des enjeux. À travers nos trois grands axes de projet, la mobilité, l'énergie et les programmes, nous avons structuré notre intervention sur ce territoire. La mobilité est l'un des grands enjeux du développement des territoires ruraux. Nous proposons la mise en place de nouveaux systèmes de transport accessibles pour tous. Notre action est structurée à trois échelles. À l'échelle régionale, la mise en place d'un tram-train s'appuyant sur la départementale 925 permet de créer une ligne des côtes desservant les pôles économiques majeurs de la communauté de communes. À l'échelle intercommunale, le réseau des routes départementales sera investi par des voitures électriques autonomes, guidées par satellite, qui sont actuellement développées par Google en Californie, afin de rendre accessible le territoire au plus grand nombre. À l'échelle locale, les réseaux de mobilité douce seront confortés et renforcés afin de desservir des parcours d'intérêt écologique. Nous proposons de passer d'une énergie de réseau, symbolisée par la centrale de Paluel, à un système de production-consommation individuelle et autonome. Les vallées privilégieront la ressource hydraulique comme base de production d'énergie, à travers l'hydrolien en mer notamment. Les plaines, fortement marquées par la présence de l'agriculture, auront principalement recours à la méthanisation. Les systèmes génériques seront complétés par des systèmes individuels de production d'énergie, comme le solaire ou le petit éolien. Nous proposons d'enrichir le territoire d'activités et de programmes basés sur le thème de la nature et de sa préservation. Une stratégie globale vise à revaloriser les programmes existants en lien avec les richesses du territoire naturel et de proposer à partir de là des opportunités de projet sur le même thème. Nous souhaitons que les vallées deviennent les hauts lieux d'attractivité du territoire. Nous avons programmé des activités spécifiques dans chaque vallée afin de redynamiser dans son ensemble le territoire de la terre à la mer par le biais de ses grands corridors paysagers. Nous avons projeté trois pôles de dynamisme majeurs pour instaurer une nouvelle dynamique économique soutenue par les nouvelles infrastructures de transport. En répondant efficacement aux problématiques contemporaines de mobilité, de programmation et à la transition énergétique, les unités fédérées que constituent les clusters font entrer la Côte d'Albâtre dans une dynamique écologique prospective. Cet écodynamisme est porté notamment par les trois pôles structurants. Le pôle biosphère, projet de la pré-centrale, vise à proposer un équipement scientifique, muséal et de loisirs. Le pôle recherche est tourné vers la recherche scientifique sur la nature et sa préservation. Le pôle agroalimentaire à Cagny-Barville vise à promouvoir l'agriculture et l'alimentation. À horizon d'environ 50 ans, la centrale de Paluel aura fermé et sera en cours de démantèlement. L'occasion de projeter un nouveau programme pour ce site, le projet Biosphère. Nous imaginons ici un type de programme que l'homme devra inventer durant l'ère de l'Anthropocène, dans un contexte de réchauffement climatique inévitable, où il deviendra alors nécessaire d'imaginer des structures pour préserver les espèces. Plutôt que d'opérer par une planification urbaine par zoning, nous proposons de stimuler les identités de chacun des fragments de territoire que constituent les clusters.
nous avons tout d'abord révélé puis reconstitué en les complétant les trames paysagères en enclos déjà présentes autour des Clos Masure et plus généralement autour des villages et des vallées, formant un vrai modèle paysager sur le territoire. Pour les Clos Masure, nous proposons de passer à une agriculture high-tech qui tire parti des nouvelles technologies. La ferme intelligente permettra à l'agriculteur de faire des économies et de diversifier ses activités. Nous proposons de rendre les villages autonomes en termes de mobilité et d'énergie. De plus, afin d'offrir des possibilités de construction pour accueillir de nouveaux habitants tout en préservant les terres agricoles de l'urbanisation, nous permettons la densification à l'intérieur des franges paysagères. Aux lieux économiques et touristiques du territoire, les vallées tireront parti de leurs richesses existantes qui seront complétées par une nouvelle programmation afin de les rendre plus attractives dans des thématiques toujours proches de la nature.